Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Les gars, j'ai cédé à la pression, les gars, j'ai cédé à la pression, vous m'en avez mis une énorme. Voilà, le nombre de commentaires par jour me demandant quand est-ce que je vais refaire des vidéos Planet Coaster. Et à chaque fois, je réponds toujours la même chose et au final, les questions reviennent de nouvelles personnes. J'ai cédé à la pression. Donc on va en discuter avant de commencer quoi que ce soit. Dans un premier temps les amis, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo Planet Coaster depuis un certain moment? Eh bien tout simplement parce que quand j'ai découvert le jeu il y a un an de cela maintenant, donc j'étais super hypé, excité à découvrir de manière arcade. Après j'ai essayé de faire des parcs de plus en plus réalistes, etc. Sans connaître vraiment, parce que je ne suis pas un coaster fan, bien que j'aime beaucoup en effet les parcs d'attractions. Et d'ailleurs entre temps j'ai pu acquérir une petite expérience, mais pas... de coaster fan, hein, vraiment une expérience amateur, hein. Mais c'est vrai que ces derniers temps je me suis un petit peu amusé dans des parcs d'attractions à un peu se dire, ah bah voilà, dans Planet Coaster on peut faire comme ci, comme ça, etc. Bon bref, ça c'est pour boucler la page. Et donc au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais fait un peu le tour de Planet Coaster, je me sentais un petit peu limité, surtout que mon dernier parc d'attractions en lui-même, j'avais arrêté j'avais arrêté de le développer, voilà, on peut dire ça comme ça, parce que je me suis retrouvé bloqué au final. Je me suis retrouvé bloqué, je ne savais pas comment amener les choses. Entre-temps, j'ai eu des problèmes de PC comme vous le savez. Entre-temps, j'ai fait un parc d'attractions, j'ai voulu commencer un parc d'attractions hivernal pour justement l'ambiance de Noël. Sauf qu'en réalité, il y a eu pas vraiment d'engouement. Il n'y a eu pas vraiment d'engouement. Voilà, j'étais assez content de ce que j'avais fait, mais c'est vrai que l'engouement n'était pas là, donc j'ai fait qu'un seul épisode. Et puis après, de toute façon, Noël était terminé, donc j'allais pas continuer le parc de Noël. Donc au final, je me retrouvais un petit peu les fesses entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je peux pas... Si on recommence à chaque fois des parcs, c'est terrible. Si je continue les parcs qui datent maintenant, bah ça va pas me faire kiffer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc finalement, j'ai cédé à la pression et j'ai eu une idée. J'ai eu une idée, donc bon, ça fera quand même pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, il faudra le comprendre, ça demande quand même plus de travail derrière. Et donc c'est pour ça que je vous demande vraiment d'être clément et ne pas attendre à ce que je fasse des épisodes ultra régulièrement sur Planet Coaster. Parce que Planet Coaster demande énormément de temps et il faut savoir que moi, je ne peux pas consacrer tout mon temps là-dessus. Entre, bon, ma vie perso et ma vie professionnelle, et en plus mes autres contenus de la chaîne YouTube, que ce soit... le Minecraft, le Euro Truck, les lives le soir. Donc bon, on pourra d'ailleurs faire des lives le soir sur Twitch, sur Planet Coaster, d'ailleurs les amis, quand j'en aurai l'envie. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Bref, donc voilà les gars, faudra juste être clément et ne pas me mettre la pression à ce que je fasse trop de Planet Coaster. Et donc ça avancera à son rythme. En plus, il y a Sons of the Forest qui va sortir, donc bref, plein de contenu dans tous les sens. Eh bien les amis, j'ai eu une idée. On va créer un parc d'attractions de type jungle, mais... J'ai en tête ce qu'il faut, d'accord? J'ai en tête ce qu'il faut. Le parc va s'appeler Sons of the Green Hell Forest. Y a pas tout qui est écrit en entier, visiblement. Qui veut dire le fils de la forêt verte de l'enfer, ok? Ceux qui me connaissent, vous avez la ref. C'est un mélange entre le jeu Sons of the Forest et le jeu Green Hell. Ambiance jungle. L'ambiance que je kiffe, l'ambiance survival. Et donc on va faire un parc d'attractions autour de ce thème. Pourquoi? Parce que vous savez, le dernier vrai parc qu'on a fait ensemble... Il y avait le Jungle Temptation, souvenez-vous ce coaster. Eh, attendez, je m'épose parce que avec le recul, honnêtement les gars, comme dit, je suis pas coaster fan, je suis vraiment amateur de très loin, mais je comprends maintenant, je vous comprends les gars. Avec le recul, j'ai un peu regardé, en effet le coaster, dans la vraie vie, je voudrais jamais le faire. Parce que ok, il va super haut et tu vas mourir à tous les coups, mais à part ça, c'est de la merde. Maintenant je sais vraiment ce qui est kiffant dans un coaster finalement. Voilà, je sais, j'ai compris maintenant, vu que j'en fais aussi dans la vraie vie. C'est vrai que quand je me suis mis à Planet Coaster il y a un an, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un parc d'attraction. Donc bon, maintenant j'ai compris à peu près, donc c'est ça ce qui est cool. Mais en gros, l'ambiance là, l'ambiance de la jungle et tout, ça m'avait bien plu. Et en fait, on va vraiment faire un parc d'attractions là-dessus. Donc je suis en bac à sable bien sûr. Ça va être vraiment l'ambiance. Alors, j'ai déjà, pour m'enlever une épine du pied, commencé à créer un parking. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Je sais que j'ai une zone de parking prédéfinie. Alors, vous connaissez, c'est les trucs du workshop que j'ai déjà pris, parking road, etc. Donc, que j'ai customisé à ma façon avec l'entrée donc qui sera ici pour les visiteurs. C'est pas fini, c'est que le début. C'est juste pour avoir une petite idée du parking, à quoi ça va ressembler. Ici, là, il n'y aura rien. Je veux dire, ici, si vous avez des idées en commentaire comment camoufler, dites-moi. En gros, l'idée, c'est que là, je sais pas, la route, elle parte et... qu'on se dise que les gens viennent de là en fait. Donc là je sais pas trop comment faire.
Le parking, on pourra l'agrandir, ça c'est vraiment pas le souci. Mais voilà, plutôt bien organisé le parking. On dirait un parking de supermarché. Donc je pense qu'en vrai, c'est quand même relativement pas mal. Quoique, je peux encore faire un petit truc, un petit détail. Je suis un peu bête, c'est pas grave. Attendez, bougez pas. Je vais décaler ça un tout petit peu. Alors attendez, c'était comment? C'était comme ça. Donc je décale un tout petit peu. Juste parce que j'ai pas pensé à ce détail. Et tout bêtement, je vais pouvoir mettre ça à contrario. Ça, c'est quand même le classique. Ah oui. Autant. Alors là, je vais pas le faire par contre. Hop, voilà, et comme ça, je vais pouvoir tout reprendre ici et remettre là. Comme ça laisse la place pour les véhicules de manœuvrer. Là, il y aura de la végétation et puis voilà. Non, vraiment, j'ai des trucs en tête. J'ai envie que ça ressemble à l'ambiance Sons of the Forest, à l'ambiance Green Hell, pardon, donc le jeu Green Hell, donc vraiment une vraie jungle où c'est très dense, c'est très serré, c'est la jungle, l'Amazonie. En même temps, je veux que ça fasse ambiance Sons of the Forest, donc vraiment des arbres un peu normaux, mais bon, ça vous verrez. Et du coup, en même temps, un peu ambiance Far Cry 3, pour ceux qui voient un petit peu. Donc Far Cry 3, pas sûr qu'on y arrive, mais alors le coup du Green Hell, ça va y ressembler fort. J'ai réfléchi tout bêtement, les allées, on va les faire, je pense, avec ce matériel-là. Avec ce matériel, le mec il dit. Oh, mon Dieu, avec ça, là, donc une allée pavée avec bordure en pierre. Donc bordure, hop, voilà, les allées vont être comme ça. L'entrée, elle va être où? Elle va être à ce niveau-là, hein, de toute façon. Attends, hop, elle va être. Elle commence pas à me saouler déjà. Elle va être à ce niveau-là, parce que là, il y a le parking, donc elle va être à ce niveau-là. Je sais pas du tout comment on va faire l'entrée. Moi, je sais ce qui vous intéresse, c'est qu'on fasse du coaster. Donc, ça va être le principal truc. Donc, là, les amis, ce que je vous propose, on va faire notre tout premier coaster. Je ne sais pas encore de quel type. Mais avant de le faire, on va juste se mettre dans le thème. Et je vais faire une petite coupure et je vous retrouve juste après. Je vais pas faire trop d'accélérer durant ce let's play. Parce que les accélérer, je trouve, c'est pas spécialement cool et c'est chiant pour moi. C'est chiant pour moi et à regarder, c'est pas le truc le plus stylé, je trouve. Je préfère faire une coupure et paf, ça apparaît comme par magie. Donc les gars, là, je vais essayer de faire une petite ambiance jungle. Je vais pas tout recouvrir, hein. Je vais juste faire une petite ambiance jungle pour se donner tout de suite une idée. Et à partir de là, on pourra commencer un coaster et après, on pourra faire les décos, bien sûr. C'est parti, les gars, on va se laisser inspirer maintenant. Ok, les gars. Ok, les gars. Là. Ok les gars, là on s'y croirait de ouf. Là on se croirait. Et en fait il manque juste de l'eau, vous savez, de l'eau dégueulasse. Pour ceux qui ont suivi mon let's play sur Green Hell, il manque plus que l'eau dégueulasse et on s'y croit de ouf. Donc vous avez compris l'idée que je veux. Là c'est ultra dense. Et là je me suis pas cassé la tête, j'ai fait ça et j'ai dupliqué. Je prends tout ça et en fait d'ailleurs je vais en créer un. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Je crée un groupe et si je duplique, je peux rendre ça plus intéressant. Mais l'idée c'est de. Enfin. C'est de mettre ça derrière, je pense, plutôt que devant, parce que sinon ça va se voir que c'est du copier-coller. Tu vois, on s'en fout des détails, franchement. Les détails, on s'en fiche. Alors on en profite, vu que mon PC quand même est beaucoup plus performant qu'à l'ancienne, donc je pense qu'on peut se permettre de se faire plaisir. Let's go, ça. Let's go. Est-ce que le niveau du sol est bon? Les racines, c'est parfait. On pourra rajouter encore quelques pierres ici et là, hein, normalement. Parce que là, c'est vrai que ça manque encore un petit peu de détails, mais c'est déjà pas mal. Donc là voilà, ça nous donne l'idée. Et là je verrais bien un coaster. Carrément un coaster qui voilà, qui s'amuse là tout simplement à passer là-dedans en fait. Et qui passe en dessous. Vous avez compris le délire. Ça pourrait être sympa tout au long du parc, bien sûr, qu'il y ait des. Vous voyez un peu l'ambiance là, on se promène. Et que là c'est des chemins et que les gens se promènent. Donc on verra. On verra peut-être qu'ici ce sera un chemin. Alors le but c'est que ce soit non plus pas trop loin. Il faut vraiment se dire que l'entrée du parc sera là. Donc c'est pas non plus trop proche. Mais dans le doute, je vais quand même récupérer ça et le ramener un tout petit peu. Ouais, tu vois, là, ce sera trop proche. On dirait pas, hein. On dirait pas, mais ce sera proche parce que l'entrée, elle est quand même fracassante, normalement. Alors, on va peut-être faire. Je pense en vrai qu'on va faire une petite entrée. On va pas faire un grand truc, genre. Peut-être que le parc d'attraction sera grandiose. L'idée, c'est pas de faire un truc réaliste de fou. Je veux dire, faut que ce soit réaliste, pas que les gens meurent. Mais pas, c'est pas réalisable forcément là, tout de suite, en Alsace, quoi, tu vois. Et donc en gros, on va faire même si le parc attraction est gigantesque, c'est rien, on sait pas, ça dépendra un petit peu des idées. Mais par contre, l'entrée du parc va pas être gigantesque à la Disneyland, je sais pas quoi. Au contraire, je pense que ça va être un peu ambiance Planet Zoo, un peu ambiance justement, bah on rentre dans une jungle, un peu on rentre dans un zoo, vous savez les petits zoos. Et ben voilà, sauf que c'est un parc attraction, mais ça va être un petit truc, tu vois, avec une petite voiture d'aventure là. Attends, regarde, attends, parce que là j'ai un truc en tête, là c'est un truc de fou. J'ai un truc en tête, c'est un truc de fou. Bon, c'est pas forcément le véhicule que je pensais, à vrai dire. Ouais, c'est. Mais il est où la voiture de. Ah bah si, voilà. Et en gros, genre, à l'entrée, il y aura ça, tu vois.
Alors là, tu fais quoi? Tu aligne sur position et sur surface. Tac, tac. Voilà, je sais pas si j'ai pris les meilleurs pneus pour le coup. Ah, ce serait plutôt... Ah non, si, c'était bien cela. Tac, tac. Et en fait, je vois bien la voiture sur le toit. Tu sais, genre sur l'arche de l'entrée. Et aussi par terre, tu vois. Mais pourquoi pas? Voilà, ça peut être une idée. Bon, les amis, on va s'attaquer du coup au coaster. Voyons voir quel type de coaster on va utiliser. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à vous le dire, c'est une ambiance jungle, donc il y aura de l'eau, des rivières. Ça, franchement, voilà, évidemment, on va l'utiliser, hein. Ça, clairement, ce coaster-là, on l'utilisera. Ça, c'est clair. Ensuite, tac, 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 tac. Parlons coaster, parlons peu, parlons bien. Je suis pas très à l'aise avec les boomerangs, oui, mais je suis pas très à l'aise avec les coasters inversés. Ça, j'ai du mal. C'est très compliqué en vrai, hein. Je préfère largement les coasters qui sont sur les rails directement. C'est plus facile à faire. D'ailleurs, les gars, ça me fait penser, petite anecdote, récemment, enfin ça fait un petit moment maintenant, ça doit faire 2 semaines, il y avait un reportage sur RMC Découverte sur justement Europa Park et de manière générale, après il y avait une deuxième partie justement sur les constructeurs donc. Et bah du coup j'ai appris des choses que vous les coaster fans, vous devez trouver ça normal parce que vous savez déjà, mais voilà que les constructeurs de la majorité, enfin pour ne pas dire de tous les coasters qu'il y a à Europa Park, bah c'est vrai que, enfin je veux dire les coasters qu'il y a à Europa Park ont été construits par la même famille, je veux dire en gros, tout simplement, globalement, et qu'ils vendent ça bien sûr dans le monde entier, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Et donc là j'étais en train d'hésiter à quel type de coaster prendre pour le jungle, j'allais dire le jungle Tentation, bah justement je crois qu'on va partir là-dessus et c'est justement me semble-t-il, Vector propulsé, celui qu'on avait utilisé déjà sur le Jungle Temptation, donc ça va super bien, donc l'ancien par attraction. Et du coup c'est aussi le même que, je crois c'est le même type justement de Europa Park, le Blue Fire, me semble-t-il. Alors j'avais hésité avec celui-là, en plus de manière, tu sais, pour faire un peu RP, lui c'est le coaster qui coûte le plus cher par rapport aux deux autres. Lui il me tente bien, je pense qu'on l'utilisera. On l'utilisera pour autre chose. Je mets ça de côté en stand-by. Faut pas non plus qu'il y ait 1 milliard de coasters. Après, je vous rassure maintenant, je vais arrêter les folies, hein. Je vais arrêter de faire des coasters qui s'étendent à des kilomètres. Justement, c'est complètement débile de ma part, mais je savais pas à l'époque, moi. Donc, et puis celui-là, en vrai, je pense qu'on va même pas l'utiliser parce que ça sert pas à grand-chose. Donc, on va prendre celui-là à propulsion. Ce sera très très bien. Ce sera très très bien. Donc là, on va faire vraiment le layout. On va pas non plus trop se focus sur le décor parce que le décor c'est amovible. C'est ça. Mais là, c'est voilà, c'est pour se donner l'ambiance, pour se donner une idée, vraiment pour se dire voilà que je pense qu'il y aura vraiment un chemin là. Il y aura un chemin où les visiteurs pourront passer. Mais ça va dépendre du coaster. Si le coaster passe à l'intérieur et que ça pose problème, bah, on pourra pas. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau du design, je pense qu'on pourra changer. Mais on va rester dans un délire vert un peu. Couleur des wagonnets verts. Alors là, c'est vrai que le petit problème. Oula, oui, non. Alors on va plutôt préférer prendre du noir plutôt que du mauve. On changera les couleurs comme on le sentira de toute façon. Peut-être là partir sur un. Alors je suis preneur. On va faire au fur et à mesure. Si vous avez des idées de couleurs à utiliser, franchement, je suis plutôt preneur. On va quand même rester dans le vert, mais évidemment pas du vert lime comme ça. Du vert un peu quand même foncé, du vert un peu bois. Bon, je sais pas. Vous me direz en commentaire, les gars. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Alors par contre les piliers rouges, ça c'est un truc qui va vraiment me... Non, alors ça je peux laisser à la limite, mais c'est des poteaux rouges. On va préférer prendre du noir pour que ça se voie beaucoup moins dans la forêt, quoi. Enfin dans la jungle. Même si on pourra bien sûr, et alors ça va être vraiment sympa, c'est qu'on va thématiser, hein, ici c'est pas Walligator. On va thématiser, c'est-à-dire que les poteaux quand on sera en hauteur, on pourra mettre justement, maintenant que je maîtrise à peu près, où c'est que j'ai mis les lianes là. Même si bon, elles sont pas mises parfaitement. Hein. Elles sont pas du tout mises parfaitement, mais ça ne se voit pas. C'est... Oh, on est sur un jeu ou pas? Bref. Du coup, voilà, l'entrée du coaster, où c'est qu'on pourrait la faire? Alors moi, je pense que si on part du principe que l'entrée est là, on va marcher, les gens, ils vont traverser ici. Et donc moi, je pense que il faut la mettre à l'opposé, du coup, justement. Ce qui va faire une belle file d'attente. Oh, bah oui, la file d'attente, elle va se faire. Bah bien sûr. En fait, la file d'attente, elle va tout simplement être démarrée là, déjà dans la jungle, en fait, ici là. Tout ce chemin-là, vous voyez ce cours qu'il y a ici. Je pensais à mettre un cours d'eau. Et ben en fait, on va mettre un cours de. Ce sera un chemin, ce sera la file d'attente, tout simplement. Voilà, avec le coaster qui passera juste au-dessus. Alors, soyons réalistes. Soyons réalistes, il me faut juste un personnage
pour que je puisse avoir la hauteur des gens. Bon, ça, c'est le pire personnage que je pouvais. Staff, tac, tac, tac. Bon, si, c'est la même taille, c'est bon. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on garde les dimensions des choses. Parce que, vous voyez, c'est une jungle, donc tout est géant. Et donc, ça te donne l'impression que là, c'est pas haut. Mais en fait, c'est vrai que c'est vachement haut, là. Hein? C'est quand même vachement haut. Donc, on va quand même rester sur quelque chose d'assez cohérent. On va partir là-dessus. Hop, on va le placer comme ça. Sur une hauteur de type. Bah voilà, une hauteur quand même bien plus raisonnable. Voilà. Parce que bon, on va pas non plus faire marcher 32 escaliers. Là, on est juste en dessous à la bonne taille. À la limite, on peut encore un peu monter. Du coup, on va en profiter. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Attendez, j'exagère encore. Je monte un peu. Voilà, c'est pas mal du tout là, comme ça. Pas mal du tout. Donc la file d'attente, tac, elle va passer comme ça. Attendez, là ici, tac, tac. Après, on se débrouillera, on changera, c'est pas le problème. Donc à ce moment-là, on fera passer sous le système. Tac, juste ici, c'est parfait. Ok. Au niveau de l'entrée, du coup, non. L'entrée, on va faire ça de l'autre côté, du coup. Donc entrée à droite et sortie à gauche. Entrée à droite et sortie à gauche, c'est parfait comme ça. C'est absolument parfait. C'est exactement comme j'imaginais pour le moment. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Directement l'entrée, on va la placer. On va la placer, je pense, du côté, ah, je sais pas. Est-ce qu'on placerait ça plutôt Alors là, j'ai pas envie d'installer le mode qui enlève absolument tout, vous savez, que j'ai utilisé justement pour mon parc d'attractions hivernal, qui a fait qu'un seul épisode. Donc c'est vraiment sympa, ça enlève tout et ça te permet de tout customiser. Je fais un clin d'œil à Banaif, qui justement, mais bah après Banif c'est un malade mental, voilà je le dis, c'est clairement un malade mental. C'est plus du tout Planet Coaster, ce qui fait clairement, il customise tout tellement de A à Z justement avec le mode, il y a tout qui disparaît, et il fait tout de lui-même, c'est incroyable. Voilà, on va customiser à notre façon, mais on va pas booster à fond. Bon, on va mettre ça là, comme ça les gens, ils pourront directement se mettre au premier rang s'ils veulent, et puis sinon ils devront naviguer derrière. Voilà, directement. La sortie. La sortie, on va la mettre le plus au milieu possible, je pense. Non, plutôt proche de l'opérateur. Non, plutôt vers là. Le mec, il hésite, hein. En fait, faudrait que la sortie, elle soit. Ouais, mais non, il faut quand même qu'elle soit proche de l'opérateur, sinon c'est chiant. Au milieu, allez. Cherche pas compliqué. Au milieu, au milieu. On va pas se casser la tête, les gars. On va relier l'entrée. Alors, on va utiliser peut-être du bois. Justement, ça peut être pas mal. Alors, du bois qui fasse bien. Voilà. Alors, je suis pas sûr de ce que j'avance. Ah, je sais pas. C'est ça le problème, vous voyez, c'est qu'avec le mode, au moins tu peux tout enlever et tout changer. Remarque, on customisera peut-être, je ne sais pas. On customisera peut-être. On va rester sur le bois pour le moment. Passerelle avec rambarde. File d'attente avec rambarde. Directement. On va quand même élargir. Non, on peut pas. Ok, j'ai compris. Voilà, on va directement aligner sur l'angle. On va descendre comme ça. On fait un checkpoint ici. J'aurais bien aimé refaire un checkpoint entre temps. Enfin, j'appelle ça des checkpoints, hein. Vous m'excuserez, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça un checkpoint. C'est genre un point de sauvegarde. Voilà, donc évidemment, on thématisera. On va pas laisser ça en mode alligator. C'est totalement gratuit ce que je suis en train de dire. Attendez, par contre, il y a un truc que je voulais vérifier. Oui. Ce coaster, est-ce qu'il serait adapté pour personnes à mobilité réduite? En réalité, si on oublie que c'est un jeu et que voilà, tout est possible. Tout est possible. Donc là, voilà, au moins, ici c'est adapté. Ok? Je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est. Moi je pense, encore une fois, alors juste, je pense que dans beaucoup de parcs c'est pareil. Mais pour être sûr, je vais dire un truc dont je suis convaincu. Sur Afrépertu, par exemple, le Timber Drop, qui est un coaster qui va à l'envers. Même si c'est pas un grand 8, mais là on va pas faire un grand 8 de malade. Enfin, je sais pas, on verra. Bah, si, quand même, c'est une propulsion. J'imagine qu'à Europa Park c'est pareil. Personne à mobilité réduite, à partir du moment où il se sent bien mentalement, tout comme ça, de manière de. Tu vois, je veux dire, s'il a pas la motricité de ses jambes, bah on s'en fiche un peu. Il sera quand même relativement bien, puisqu'il sera totalement bloqué là-dedans. Donc en fait, on est d'accord que c'est compatible.
Voilà, je viens de vous faire un exposé quand même, c'est formidable. Voilà, donc on va partir sur quelque chose comme ça. Je préfère faire des coupures, les amis, comme ça je peux me concentrer, essayer de faire le truc le mieux possible. Et puis après, je vous montre les avancées. Comme dit, j'évite de faire des accélérés. Donc, comme là, on a vraiment 5, 1, 2, 3, 4, 5 wagons, si on peut dire. Non, enfin 5, bref, 5. Alors, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Bref, donc tout simplement là, ils sont à moins de 13 km/h, même pas. Hein, ils sont à 13 km/h. Ils arrivent ici, là. Tout le bordel, tout le train va être aligné. Et donc à partir de là, on va pouvoir mettre une propulsion. Donc moteur linéaire synchrome, propulsion. Alors attends, on va peut-être pas partir non plus aussi vite tout de suite. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va juste rappeler aussi, alors je vais tout de suite placer ça. On va juste replacer, il faut penser à ça, un mec en bas. À tout prix, parce que pour être sûr de la hauteur. Si je regarde ici, c'est quand même. Ok, c'est bon. Non, parce que le problème, c'est que je ne sais pas comment ça fonctionne, la propulsion. Je veux dire, là, dans ces conditions, on est d'accord que là, si on regarde ici, ça pose pas de problème. Je veux dire, si on passe en dessous, à cette distance-là, c'est pas bien grave. Il n'y a aucun danger. C'est comme justement les coasters inversés, on passe juste au-dessus, enfin, ça pose pas de problème. Ça, c'est, j'en suis convaincu. Par contre, là, je pense que c'est pas pareil. Alors d'ailleurs, grâce, encore une fois, au reportage de RMC Découverte, j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait, toutes ces histoires de magnétisme, pareil pour les freins et tout. Bah c'est stylé, c'est effrayant mais c'est stylé. Les coasters sont pas si sécurisés que ça, hein. Non, je vais me faire taper dessus. Je vais me faire taper dessus, mais en vrai c'est quand même plus chaud que ce que j'imaginais. Bon, ouais, là le problème c'est que j'ai un peu peur. Est-ce que vraiment c'est plausible ou pas? C'est ça le truc. C'est que est-ce qu'on peut se balader en dessous alors qu'il y a ce truc là juste au-dessus, avec toute l'électricité, etc. quoi. Enfin l'électricité, le magnétisme, parce que du coup c'est même pas électrique. Ah bah si. Oh bah je sais pas. Je sais que les freins, c'est pas forcément obligé que ce soit électrique, mais. Bref, bah je sais pas, voilà. C'est un petit peu le petit bémol. Il aurait peut-être fallu. Bah ou alors c'est pas grave. On fait la propulsion ici. Et la file d'attente passera là. La file d'attente passera en dessous. Et puis de toute façon, on va comme dit copier-coller le pattern de la jungle, hein, de toute façon, hein, c'est pas le problème. Hein. Donc on va faire ça comme ça. Donc on va directement mettre la fameuse propulsion. Donc là on va mettre à fond, du coup directement à fond. On peut l'incliner un tout petit peu vers le haut, ça peut être intéressant. J'ai pas envie de faire comme ça. J'ai pas envie de voilà, j'ai envie que la montée se fasse autrement. Mais en même temps on va pas le laisser plat, donc voilà, on fait juste une toute petite inclinaison comme ça. Bon, on s'en fout de la vitesse pour le moment, on va bien voir comment ça va faire. Voilà, on met une doublette. Voilà, je veux pas que ce soit non plus le Blue Fire, hein. Parce qu'après on va être dans la merde, le truc il va s'étendre sur des kilomètres. Donc on va déjà essayer comme ça, avec directement une rotation vers la droite pour changer, parce que. Ok, donc voilà un petit peu où on en est au niveau du prototype, les amis. J'ai bien avancé. Alors il faudra juste tout de suite, parce que sinon ça va être la galère, qu'on puisse un peu déplacer des objets de décoration, enfin. Les arbres là, comment je vais faire pour enlever ça? Ah oui, ça c'est un palluvier, putain, c'est vrai. Alors ça c'est une galère parce que c'est super stylé. Mais alors, pour dégager ça, d'ailleurs ça tombe bien parce que comme ça je vais dupliquer le machin et le rajouter ici. Ça peut être sympa. Pareil, le rotationner. Voilà. Histoire que ce sera. Voilà, comme ça on rentre dans la jungle. Bon là ce poteau je peux pas l'enlever. C'est le poteau du. Eh, c'est pas mal en vrai, hein, ça donne envie de. Non, franchement, est-ce que ça donne pas envie déjà là? En vrai, ça donne déjà envie, je suis content. C'est pour ça que je voulais vraiment mettre tout de suite une ambiance de la jungle pour qu'on ait une idée. Parce que faire le layout que j'ai fait sans avoir d'abord l'idée, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Ah oui, alors là, c'est vrai que j'ai tout regroupé. Il faut juste que je dégage. Et je vais vous montrer un petit peu où c'est qu'on en est. Par contre, je vais juste faire venir un wagon pour avoir une idée. Voilà, déjà, est-ce que là ça passe? Ouais, bon, de toute façon, c'est Planet Coaster, on n'a pas le choix. Est-ce que là on se prend pas d'arbre? Là on se prend le paluvier là. Là on se prend le paluvier. Hop, je dégage un peu. Je peux même faire ça carrément. Pas trop l'incliner non plus, sinon c'est pas le top. Je vais un peu relever le niveau. Ok. Là au moins ici ça passe. Pas de frottement en bas. Oh, si peut-être là le petit palmier il peut frotter, mais ça c'est des détails qu'on verra pas. Ensuite ici. Ouais, bon là, c'est la zone de la muerte. La zone de la muerte.
Là, on passe juste en dessous de l'arbre. Ça, c'est ultra dangereux. Alors, on va monter. On y verra avec du feu. Ok les amis, je vous reprends, on est le lendemain. Voilà, ça fait une petite journée que j'ai travaillé dessus. Alors évidemment pas non-stop, hein, vous l'aurez deviné. Donc voilà un petit peu où c'est qu'on en est, j'ai plutôt bien avancé. Alors vous m'excuserez, du coup j'ai pas la caméra. Je suis assez content de moi par rapport au petit layout que j'ai fait. Surtout au fait que ben, la décoration qui sera tout autour va être vraiment sympa. Par contre vraiment j'avais oublié à quel point c'est casse-tête hein, clairement de créer des coasters qui soient fluides sur ce jeu. Bordel, vraiment hein. J'ai vraiment du mal, alors on va faire un on-ride hein. Mais j'ai vraiment du mal à rendre ça fluide. Donc moi limite ce que je proposerais, c'est que s'il y a parmi vous des gens qui sont chauds et qui se sentent, de me fluidifier le coaster sans me modifier le layout. Parce que sauf si vraiment, mais je veux dire là le but du jeu, j'aimerais vraiment garder ce layout parce que il est vraiment customisé, c'est vraiment moi qui l'ai fait de A à Z. Donc j'en suis vraiment content. Mais j'avoue que s'il y avait moyen de le rendre un peu plus fluide, ce serait plutôt génial. Alors voilà, on a deux zones de freinage, enfin trois au total du coup. On a trois wagons, trois trains, et chacun ont 5 compartiments. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va rentrer à l'intérieur directement pour faire le on-ride. Vous allez très vite comprendre le petit bémol eh bien de fluidité. Donc là on est dans le tout dernier. Ce qui est sympa, c'est que comme on est à l'arrêt, eh bien on voit les trains qui passent là. Voilà. Alors on peut voir même faire le looping. Bon alors pour ça il aurait fallu être tout derrière. Voilà, ici on l'aurait vu faire le looping, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer après. Bref. Donc on va avancer, d'ailleurs je vais me mettre dans le train numéro 3 qui est déjà parti. Je vous montre les statistiques. Donc là on fait une sortie à 16 km/h je crois. Ou 14. Non, 16 km/h, et donc là on est à 13. On se fait propulser. Et c'est parti. Franchement, vous me direz en commentaire, mais je pense que le layout il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant, je suis très content. Le fait que tout se croise, qu'on passe, vous voyez, dans la jungle en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment, je suis vraiment content, je suis vraiment fier de moi, mais vous l'aurez compris, hein, niveau fluidité. Et c'est pour ça en fait hein, que je me mets sur cette vue là, regardez, hop, je me mets sur la vue prédéfinie ici là. Parce que très clairement, si je me mettais en vue siège. Regardez les tremblements. Ça n'a pas de sens. Bref, ça c'est dommage et c'est vraiment horrible. Donc c'est pour ça, s'il y en a qui se sentent chaud vraiment à me fluidifier le truc, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter. Et en commentaire bien sûr. Et puis sur Discord éventuellement. Et on voit comment on pourra faire. Mais en tout cas voilà un petit peu l'idée. Moi ce que je verrais bien ici, et on va le faire maintenant, ici je verrais bien alors soit un grand arbre, mais c'est pas original, ou soit justement un trou d'eau. Après je sais pas, est-ce que ça peut rendre bien. Oula, alors on va quand même se détendre hein, mon ami. Est-ce que ça rendrait vraiment bien ça c'est vraiment, je sais pas. Mais ça peut être une idée si on regarde un peu. Hop, si on met de l'eau là. Ah si, ça pourrait être amené à être un truc assez sympa. Si je fais par exemple aplanir jusqu'à la surface, je réduis bien sûr la taille. Je remets un peu d'intensité, ce qui va me permettre de faire les premiers passages d'eau. Je me fais lui complètement con lui. Bon, on va creuser comme ça, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout de la profondeur, on n'est pas censé savoir. Hein. Faut se dire que c'est pas non plus très profond. Voilà, tac, on réduit encore un petit peu. Et là, on pourra faire des petits cours d'eau, hop, qui vont ici et là. Donc au moins, vous voyez, parce qu'à la base, ici, je voulais que ce soit un chemin pour les visiteurs, mais du coup, ce ne sera pas possible, puisqu'on passe juste en dessous des boosts. Donc au moins, ça va être un petit chemin, justement, pour l'eau. Et c'était vraiment comme ça que j'avais imaginé initialement. Et on enlèvera les pierres. Et voilà, le petit cours d'eau là. Puis d'ailleurs, non, on n'est même pas obligé. Juste, je prends la pierre là, tac, je vais la baisser, je vais la mettre dans l'eau. Comme ça, on ne sait pas où va l'eau. Par contre, elle... Cette roche qui vole, évidemment, ça va être problématique.
Tac. Évidemment, c'est des détails qu'on ne verra même pas. Hein. Donc on s'en fout hein, qu'il y ait des collisions ou quoi. C'est vraiment des choses qui se verront pas. Voilà. Oh. Et on est là, là les gars, c'est Green Hell. C'est le jeu Green Hell hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Là, on y est. Hein. Là, on y est. Donc c'est assez intéressant. J'espère que vous êtes contents de mon retour sur Planet Coaster. Bon, vous l'aurez compris, vraiment, ça se voit. Hein. Mais encore une fois, je compte sur votre bienveillance à ne pas me spammer, à me demander le prochain épisode. Vraiment. Hein. Même si dans un mois, il n'y a pas de nouveaux épisodes, s'il vous plaît, hein, ne me spammez pas et comprenez-moi. A l'inverse, si dans 3 jours, il y a un nouveau épisode, ben, soyez-en contents. Mais je veux dire, voilà, ne vous attendez pas à ce que ce soit toutes les semaines ou quoi. Hein, vraiment, moi, j'y crois pas du tout. Bon, on n'y sera pas toutes les semaines. Est-ce que c'est cohérent ça? Oui, de toute façon, il faut partir du principe que c'est un parc d'attractions qui n'a pas d'alligator. Donc, les gens peuvent passer... Enfin, je veux dire, ceux qui gèrent l'attraction, je veux dire, les constructeurs, les... Ah, comment on dit? Les techniciens, voilà. Parce que je me suis dit comment ils vont faire pour passer dans l'eau, mais là, il faut s'imaginer que c'est une petite flaque d'eau. Hein. Bon, voilà. Là, on va ajouter un peu de verdure. Bon, du coup, voilà un petit peu l'idée. J'en ai un peu rajouté. Ça peut être pas mal. Alors, on mettra des animatronics, j'imagine, pas mal de petites choses. Du coup, ouais, pour la file d'attente, elle va passer ici, hein, de toute évidence. D'ailleurs, on va faire tout de suite la file d'attente pour faire les décorations après. Parce que là, je me voyais déjà dupliquer tout ce pattern, là. Ce qu'on va faire. Mais d'abord, non. D'abord, on va faire le tracé de la file d'attente. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, niveau rentabilité, ça va aller. La file d'attente, de toute façon, sera longue. Et puis, c'est tout. Hein, clairement, pas déconner non plus. Elle sera longue, mais elle sera intéressante aussi. Et puis, ça vaut le coup toujours de faire ce petit coaster. Ça change un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vraiment, je suis curieux. J'ai hâte un petit peu de voir vos retours, vos commentaires. Je pense que là, à partir d'ici, je vais enlever les rambardes. Et je vais enlever les bordures si c'est possible, parfait. De sorte à ce que je puisse customiser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, paf, à partir de là, ce sera plus vraiment custom. Je veux dire, les rampes et tout, je laisserai comme ça. Je customiserai toutes les poutres et tout. Mais par contre, là, ici, le sol, les rambardes, tout, ça, je customiserai. De sorte à ce que vous voyez, je suis pas obligé de suivre un truc prédéfini. Je vais augmenter la largeur. À partir même de... Ah si, c'est intéressant ça, remarque. Voilà, d'agrandir la largeur directement là. Voilà, comme ça, là, à partir de là, je suis pas obligé de suivre un truc précis. Et avec le végétal, je me ferai plaisir. Est-ce que là, niveau sécurité, c'est pas... Oui, niveau sécurité, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Là, ici, il y a zéro souci. Et là en haut, de toute façon, il va vers la droite, il est penché vers la droite, donc même s'il était amené à... C'est impossible, de toute façon, qu'il se casse la gueule, les coaster fans, vous me le direz. Donc c'est bon. Hop, on va longer le truc là. Là, il y aura des arbres de partout, de toute façon. Là, voilà, on va le faire passer par là, hein, de sorte à ce que vraiment les visiteurs puissent voir le plus possible, en fait, le coaster. Le but, c'est que les visiteurs puissent vraiment voir le coaster pendant la file d'attente. Ça, c'est super important. Même si malheureusement j'aurais aimé qu'ils voient aussi l'intérieur même là. Mais ce sera pas possible, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Donc là on contourne pas mal. Après à la sortie on passera là-bas je pense aussi. Donc au moins voilà. Là on va le faire passer ici. Ce qui est pas mal c'est qu'ici c'est un peu le virage qui donne envie quand on arrive. Regardez quand on arrive là c'est un peu le virage qui dit ah oui c'est un coaster sympa là. Donc et puis c'est au moins le petit looping ici c'est la petite surprise du chef. C'est la petite surprise, personne s'y attend. Sauf quand, ah oui quand t'arrives là. Quand t'arrives là et que tu vois, tu fais oh merde il y a des loopings, oh putain. Et voilà donc c'est plutôt sympa. Et puis là par contre comme je connais pas encore le comment on va faire. Oh ça va être génial, ligne droite ici, coaster direct. Non c'est incroyable. J'avais pas fait exprès mais ça c'est superbe. Donc là je vais pas le finir ici. Pour ce qui est de la sortie par contre ça va être un peu plus fun. Parce que je sais pas comment on va faire. Donc là, je vais remettre aller avec bordure, passerelle avec rambarde. Hein. Bah non, aller avec rambarde aussi, voilà, pour faire la sortie ici. Sortie en bois, bien sûr. Comment on va faire? Ah oui, je le voyais sortir de ce côté-là, mais du coup, non, c'est complètement débile. Là, le coaster, il va quand même relativement vite, donc ça m'embête un peu. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. On va aligner sur l'angle, hein. Je préfère aligner sur l'angle pour ce genre de paramètres. Ah, superbe! On va faire comme ça, on peut pas réduire la largeur. Dommage, on n'oublie pas, hein. À l'aller, s'il y avait des rampes comme ça, il n'y avait pas d'escalier, donc il faut qu'on fasse pareil au retour. Personne à mobilité réduite, je rappelle. Ok, non, c'est bon, ça va le faire de ouf, là. Oh, c'est formidable. Peut-être un petit checkpoint ici. Non, c'est formidable.
Vraiment, c'est formidable. On rajoute encore la rampe là. J'enlève l'alignement. Et j'enlève pour les allées. Voilà. Et à partir de là, je pense que... Ouais, mais là, on va avoir un petit souci parce que on va pas pouvoir connecter là. Vu que c'est la sortie. Bah oui, les gens, ils vont... La file... Tout ça, c'est une file d'attente, ça. Donc ça va pas être possible. Bon, par contre, c'est dommage parce que, vous voyez, dans l'idée, bon, à part l'arbre qui se dérange, mais là, au moins, il n'y a pas de problème de sécurité. C'est juste pas mal. Alors, on pourrait le faire passer par dedans. Bah non, parce que du coup, on passe en dessous de ce truc. Ah oui, là, ça va être problématique. J'avais pas envisagé ce détail. Alors, on peut faire une passerelle par-dessus. Oh, alors, le problème, vous voyez, c'est que... Ah là là. Non, bah, je pense que... Je pense que, en fait... Donc, non, attends, on va laisser ça là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Remets-moi ça. Voilà. On va aller avec Rambard. Tac. Là, on va le faire tourner là. On va refaire passer par en dessous. Ah, mais non, mais sinon. En gros, l'idée ce serait de pouvoir rejoindre cet endroit-là. Parce que de toute façon, au pire, le parc il ira jusqu'ici. Ouais. Donc il faudrait que ça passe en dessous. Là, il n'y aurait pas de souci, je pense. Si on prend le bonhomme là. Viens voir mon coco. Hop, si on prend le bonhomme, on peut largement passer en dessous. Oui, ah oui, on peut passer largement en dessous sans problème. Il n'y a rien de dangereux, bien au contraire. Donc là, l'idéal, ce serait de passer en dessous. Le souci étant que... Le souci étant que... Bah non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc allons-y gaiement. On passe en dessous. Tac. De toute façon, là, c'est plat, donc c'est parfait. Tac. On va juste déplacer les éléments de déco, c'est tout. Tac. Et voilà, la sortie est là. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, pareil, là au moins, tu passes juste au-dessus des gens. Donc ça, c'est parfait. Là, il n'y a pas de risque que le wagon se décroche, ça freine tellement fort avant d'arriver sur les roues, donc c'est parfait. Encore une fois, le wagon ne peut pas décrocher. Je suis désolé de dire ça à chaque fois parce que je sais que les coaster fans vont me crier dessus et vont me dire mais non, c'est pas possible que ça se décroche, etc. Donc c'est pour ça. Mais bon, voilà, vous avez à peu près l'idée de comment je voyais les choses. Alors là, le seul problème, c'est que tout ce que je me suis cassé la tête. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que, regardez, hop, je dégage tout ça. On s'en fout. Parce que c'est la jungle, donc c'est un amas de bordel. Donc même voilà, même les trucs qu'on verra pas forcément, c'est pas grave, ça rajoute le l'amas de bordel. Je vais même mettre ça de ce côté-là. Non, en fait. Si, je vais mettre ça de ce côté-là, le mec il sait pas ce qu'il veut. Hop, ce sera bien sympa. Hop, avec la pierre et tout. Nickel. Voyons, on dégage un peu tout ça. Alors, petit disclaimer. Celui ou celle qui voudra me fluidifier mes coasters, ben vous l'aurez compris. Alors, sauf si on trouve un moyen d'exporter juste le coaster et pas le reste de la décoration, peut-être, je ne sais pas. Parce que faut avoir un PC quand même, un bon PC, parce que en réalité, avec tout ce que je mets, c'est vrai que c'est un peu gourmand. Hein. Donc, si vous avez un PC un peu compliqué, c'est vrai que ça va pas être évident. Donc, si vous voulez me fluidifier mon coaster, voir un peu comment on pourra faire, parce que. Voilà. Et c'est vraiment chouette. Ah, j'ai oublié un petit détail. Cet arbre-là, et du coup, est-ce qu'il y aurait moyen de le placer, ce serait magnifique. Ah bah non, bah il faudra le faire la cabine de l'opérateur. Bah c'est pas grave, on va mettre ça ici, c'est parfait. Au moins ça fait un petit break. Hop, et c'est pas mal. Et là c'est cool parce que quand tu sors du bordel, là, tu descends ici, tac 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 tac. Voilà, tu vois les wagons, tu descends, bam. Donc là, on pourra encore combler. Et là voilà, t'es toujours et encore dans la jungle. Les poteaux, vous voyez, ils sont camouflés par la végétation, donc ça c'est absolument parfait. C'est absolument ce qu'on veut, c'est thématisé comme on dit. Ah, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà, là t'es encore dans la jungle et c'est juste parfait, tu passes en dessous et c'est nickel. Ok, donc là on a quelque chose de vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de vous lire en commentaire, on va arrêter cette vidéo ici. Voir qui pourrait m'aider finalement à fluidifier le coaster en lui-même. Mais je pense que j'enregistrerai, je pense qu'on peut faire, voilà, sauvegarder en tant que plan. Et à partir de là, extraire ce truc. Et comme ça, quelqu'un peut retoucher le coaster sans toucher à la décoration, je pense, je sais pas. Faut voir un peu comment on peut faire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous êtes contents du retour de Planet Coaster. J'espère que vous avez bien compris mes messages durant la vidéo. Et je compte encore une fois sur votre bienveillance. Je compte également surtout à répondre aux gens qui n'auront pas compris ça.
Voilà, il y a. Et pour me soutenir finalement, quoi. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est la récompense de vous abonner à la chaîne, très important pour ne pas louper justement les prochaines vidéos quand elles sortiront. Mettre la petite cloche de notification et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.